Alors, apparemment, l'enregistrement a commencé. Donc, je vais commencer donc la présentation. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez un peu le... Vous voyez le slide? Vous le voyez? Allô? Oui. C'est bon, vous le voyez? Alors, je vais focaliser mon attention sur ce schéma, donc que je vais commenter. Alors, vous voyez le schéma? C'est un schéma que j'ai mis à votre disposition donc, sur la plateforme donc, de l'université. Donc, vous avez déjà eu connaissance de ce schéma, non? Allô? Non, monsieur. Non, monsieur. Mais si, il est sur Non. la deuxième vidéo, donc. Que j'ai mis à votre disposition. C'est bon, vous voyez le schéma? Oui, macro. Alors, la dernière fois, donc en présentiel, donc si vous n'étiez pas nombreux, et donc j'ai essayé d'expliquer à vos camarades, j'ai essayé donc d'expliquer un peu de quoi est composé un dictionnaire, d'accord? On a parlé de trois composantes, d'accord? La première composante, ce sont les prétextes. Est-ce que vous vous en rappelez? Ceux qui étaient présents? Allô? Oui, monsieur. Allô? Oui, d'accord. Alors, maintenant, la deuxième composante, c'est la plus importante. Et donc pour joindre l'utile à l'agréable, je me contente de vous expliquer donc, ce qu'il y a donc, dans ce schéma. Est-ce que vous pouvez voir nettement le schéma, s'il vous plaît? Monsieur. Comment Il ça, n'est non? pas clair. Il n'est pas clair. Non, ce n'est pas le schéma qui n'est pas clair. C'est Il vous est clair. qui avez des problèmes de Il vue. faut juste l'agrandir. Il faut juste l'agrandir, monsieur. On Mais peut si je l'agrandir. l'agrandis, vous n'allez pas le voir en totalité. J'ai cette possibilité, On peut vous se n'allez pas le voir déplacer. en. On peut se Vous déplacer. On n'allez peut pas le. l'agrandir et se déplacer. Il n'y a pas de problème. Comment se déplacer? Moi, je souhaiterais On que vous peut voyez le. faire bouger l'image pour voir le Mais reste. on peut le zoomer. Comment? Si On vous peut le zoomer. zoomez, le zoom. On peut le zoomer et se zoom. Mais je sais, vous n'apprenez rien, je suis en train de zoomer, mais je souhaiterais pédagogiquement que vous voyez tout le schéma, c'est-à-dire sans bouger, donc le d'accord? Il faut voir Oui. tout le schéma, tous les éléments en Oui, même temps. je... Alors, D'accord, monsieur. là, on était en train de, je suis en train de vous expliquer un peu là, de quoi est composé donc Un le dictionnaire. deuxième postillon, la composante, la principale composante donc du dictionnaire. D'accord? D'accord, monsieur. Alors, la première chose, c'est la nomenclature. Nous avons dit la dernière fois que la deuxième composante du dictionnaire, c'est la nomenclature. Et donc, celle-ci consiste en des séries d'articles. D'accord? Et chaque série comprend une variété donc d'articles fonctionnant comme des textes autonomes. Nous allons voir ça de plus près. On appelle aussi donc la nomenclature, on l'appelle aussi liste centrale, en ce sens qu'elle constitue donc la principale composante du dictionnaire. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de celle-ci qu'aura lieu le traitement lexicographique. D'accord? Alors, vous allez, donc pour faire la distinction entre différents termes, mots-clés, concepts de cette discipline qu'est la lexicographie, donc j'ai choisi trois éléments: nomenclature, macrostructure et microstructure. Alors, nomenclature, c'est ça. Est-ce que vous voyez là ce que je suis en train de sélectionner? Nomenclature. Oui. Alors, nomenclature, Oui, on voit. monsieur. Donc, comme vous le voyez, donc cette nomenclature chapeaute ce que l'on peut appeler macrostructure et microstructure. Nous allons voir ça de très près. La macrostructure, donc c'est ce que j'essaie de jouer un peu sur les couleurs. C'est ce rectangle-là, là.
un rectangle, donc orange, ou bien, excusez-moi, je suis analphabétique conique, je ne connais pas très bien distinguer donc, les noms de couleurs, surtout quand il y a des gradations. Alors, avec la flèche là, est-ce que vous voyez un peu le schéma là, le rectangle? Oui, monsieur. C'est ce que nous appelons la macrostructure. D'accord? La macrostructure. La macrostructure. Et la macrostructure contient tous les lemmes. Le lemme 1 jusqu'au lemme N. Cela dépend du Dire, nombre. monsieur, Comment? qu'est-ce que ça veut dire l'élème? J'arrive pas à S'il vous comprendre. plaît, ne m'interrompez pas, je vais tout vous expliquer. Je D'accord, vais monsieur. tout vous expliquer. D'accord, D'accord? monsieur. Alors, D'accord, nous pardon. allons, donc, la macrostructure, c'est l'ensemble donc des lemmes. D'accord? Et voilà un lemme, nous avons focalisé sur un lemme. Et ce qu'il y a le rectangle vert ici, c'est ce que nous appelons un article du dictionnaire. D'accord? Et c'est ce qui est en vert, c'est le rectangle vert, ici, horizontal. Vous le voyez? Oui, Allô? monsieur. Alors là, c'est Oui, ce que nous monsieur. appelons un article du dictionnaire. Monsieur, concernant un article du dictionnaire, c'est-à-dire ce sont tous les éléments qui accompagnent S'il un vous nom. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Laissez-moi finir l'explication et après nous pourrons interagir. D'accord. Ben, si vous voulez expliquer ma place, il n'y a pas de problème. Je vous jure que je ne trouve aucun inconvénient. Mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, désactivez vos micros. Vous activez votre micro juste une fois que vous aurez la parole. Et là, tout le monde aura la parole, s'il vous plaît. Alors, en vert, le rectangle donc, horizontal vert, c'est ce que nous appelons un article du dictionnaire. D'accord? Et un article du dictionnaire est composé par le lemme et par toute cette partie, c'est-à-dire en bleu, c'est ce que nous appelons la microstructure. D'accord? OK? La microstructure. Ou bien le texte de l'article. Et l'article, c'est tout ce qu'il y a en vert. Nous allons y venir. Nous allons expliquer tous ces éléments un à un. Alors, c'est ce que j'appelle, c'est une théorie que je viens de développer et qui s'inspire aussi d'une langue nationale. Pour ceux qui, parmi vous qui sont amazighophones, c'est la théorie Yatziyat. Et quelqu'un comprend ce que je viens en train de dire? Ce que je viens de dire? Allô? Oui, monsieur, c'est clair. C'est la théorie Yatziyat, c'est-à-dire une chose après l'autre. Alors, J'avais pas donc, nomenclature, ça vient donc du latin nomenclatura, d'accord? Nous trouvons donc le nom nomen et classis classe. Donc, selon le dictionnaire de linguistique de Jean Dubois, une nomenclature est un ensemble de noms qu'on donne d'une manière systématique aux objets relevant d'une activité donnée. On parle par exemple de la nomenclature des pièces d'une voiture. D'accord? On parle de la nomenclature, c'est-à-dire des ustensiles d'une cuisine, etc. Donc, c'est-à-dire, c'est un ensemble de noms que nous donnons systématiquement aux objets relevant d'une activité donnée, d'un domaine donné, d'un sous-domaine donné. Est-ce que c'est bon? Allô, est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, de manière générale, là, je vous ai une définition d'un dictionnaire spécialisé donc, de linguistique, celui de Jean Dubois. D'une manière générale, nous appelons, c'est-à-dire dans la langue générale, dans un dictionnaire de langue générale, nomenclature renvoie à un ensemble de mots en usage dans une science, un art, ou relatif à un sujet donné, présenté selon une classification méthodique. D'accord? Méthode employée pour l'établissement de cette classification. Comme synonyme de nomenclature, qu'est-ce que nous avons? Je vous ai fait une proposition la dernière fois. On dit nomenclature, qu'est-ce qu'on dit encore? Liste, catalogue, répertoire, d'accord? Catalogue détaillé, ordonné des éléments d'un ensemble permettant de classer celui-ci. Par exemple, la nomenclature des monuments historiques à Marrakech. Est-ce que vous me recevez, les jeunes? Oui, Oui, monsieur. Alors, de toute façon, nomenclature, donc c'est nommer et classer.
Donc, c'est une nomenclature, c'est une liste. C'est une liste de noms donnés de manière systématique aux objets relevant d'une activité donnée, d'un domaine donné, d'une science donnée, etc. Donc, nous avons dit que la nomenclature suppose la biunivocité du rapport signifiant-signifié. Alors là, c'est le problème dont j'ai parlé la dernière fois. Il y a un problème d'ordre dans un quiproquo pédagogique parce que normalement, nous aurions dû enseigner la lexicologie d'abord pour passer à la lexicographie. Alors, ce qui se passe, c'est un peu l'inverse. Nous avons commencé par la pratique cette année, c'est la lexicographie, c'est-à-dire au semestre 2. Et ce n'est qu'une fois au semestre 3 que nous allons entamer le cours théorique de lexicologie. Alors, on aurait dû commencer par la lexicologie avant la lexicographie. Parce que là, pour expliquer ce que je viens de dire, pour l'expliquer, la nomenclature donc suppose un rapport donc univoque entre signifiant et signifié. Donc, ça, c'est le signe linguistique, on n'avait pas encore vu. C'est de manière caricaturale, on va dire un seul nom pour chaque chose, une seule chose pour chaque nom. D'accord? Ce mot doit être distingué de terminologie lexique vocabulaire. Ça, nous allons le voir par la suite. Alors, la nomenclature renvoie à l'ensemble des unités lexicales. Alors, s'il vous plaît, maintenant, en matière de lexicologie et lexicographie, on ne parle plus de mots, mais on parle plutôt donc d'unités lexicales. Nous parlons de lexème, de lexie, etc. D'accord? Et nous parlons de signes linguistiques. On peut parler aussi de mots, mais c'est une appellation qui relève de la grammaire traditionnelle. Alors qu'en linguistique, nous préférons, donc, pour être un peu aussi dans, c'est-à-dire dans cette. Dans cette tendance donc terminologique donc relative donc à la linguistique, et donc nous allons faire usage de au lieu de mots, nous allons dire lexème, unité lexicale ou bien lexie. Alors la nomenclature renvoie à l'ensemble de mots pour que vous puissiez suivre un peu donc le raisonnement. Donc une unité lexicale prise en charge par le lexicographe. Donc, celui-ci, c'est-à-dire le lexicographe, en fonction d'un certain nombre de facteurs qui relèvent donc de ses visées descriptives, sont le public visé, le type d'ouvrage envisagé, etc., va opérer un choix et une sélection parmi les innombrables formes apparaissant dans le discours. D'accord? Donc, retenez ceci, nomenclature, c'est renvoie donc à la liste centrale donc du dictionnaire. C'est la liste centrale. Et comme vous l'auriez remarqué, nomenclature ici, chapeaute, coiffe, et contient macrostructure et microstructure. Parce que la question que j'ai posée tout à l'heure, quelle différence y a-t-il entre nomenclature, macrostructure et microstructure? Donc, nomenclature, c'est tout ça. Alors, maintenant, la macrostructure. La macrostructure, c'est le rectangle ici en cette couleur donc orange, bon, entre l'orange et le rouge brique. Est-ce que vous me suivez, mes chers étudiants, vous me suivez? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Oui, Alors, monsieur. la macrostructure, c'est tout ça. D'accord? C'est la principale composante de la nomenclature. Donc, si la nomenclature est la principale composante du dictionnaire entier, la macrostructure à son tour est la principale composante de la nomenclature. Et la macrostructure est la structure d'accès principale du dictionnaire. C'est la structure d'accès principale donc du dictionnaire. D'accord? Alors, par macrostructure, on désigne, écoutez bien, par macrostructure, on désigne la nomenclature ordonnée d'un dictionnaire. C'est la macrostructure, c'est quoi? C'est la nomenclature ordonnée d'un dictionnaire, c'est-à-dire le modèle théorique, l'ensemble structuré qu'il comprend. Alors, ça veut dire quoi ordonnée? On aurait pu avoir, par exemple, pour le petit Robert, qui est un dictionnaire de langue générale, nous avons les entrées qui vont de A jusqu'à Z. D'accord? Et donc, on aurait pu commencer par B, T, R, etc. Mais, dès que nous parlons de macrostructure, nous parlons de nomenclature ordonnée. D'accord?
elle est ordonnée la nomenclature. D'accord? Elle est, c'est-à-dire nous nommons et nous classons. Alors, c'est-à-dire quoi? Une nomenclature ordonnée et classée d'un dictionnaire. C'est-à-dire, c'est le modèle théorique, l'ensemble structuré qu'il comprend. Donc, ce dictionnaire, là, nous avons une structure d'un dictionnaire. Et pourquoi parlons-nous de modèle théorique? Bien entendu, parce que cela repose sur une forme particulière. D'accord? Cela repose sur des principes particuliers. D'accord? Ce n'est pas simplement une suite anodine de phrases ou d'informations juxtaposées. Mais tout cela répond vraiment à quelque chose d'ordonné. D'accord? Nous allons voir ça de très près. Et ici, donc nous allons voir le lemme, les parties du discours, leur définition, les exemples, les synonymes et un tas d'informations. Et tout ceci, donc, relève d'un modèle théorique bien précis. Et l'ensemble est structuré. D'accord? Alors, cette notion de macrostructure permet de rendre compte de l'organisation de l'ouvrage et d'englober la liste des entrées dans l'ensemble des choix linguistiques concernant la sélection des unités, leur organisation, leur distribution, etc. Alors, choisira-t-on un ordre strictement alphabétique? Procédera-t-on à des regroupements? Si oui, de quel ordre? Dérivationnel, suffixo, préfixo, etc. Encore une fois, ce sont des données, des informations, des concepts que nous aurions, que vous ne pourriez jamais comprendre à leur juste valeur, parce que ce sont des données qu'on aurait vues en premier en cours de lexicologie, alors que ce cours de lexicologie vous sera enseigné l'année prochaine. Donc il y a un problème, c'est ce que j'appelle un quiproquo donc, d'ordre pédagogique. Qu'à cela ne tienne, nous allons essayer un peu de dépasser tous ces obstacles, et donc en disant que la macrostructure comprend l'ensemble des items lexicaux retenus comme lemme. C'est quoi les items lexicaux? Ce sont, c'est-à-dire les différents mots, les différents lexèmes dont nous allons donner des informations au sein d'un dictionnaire. Alors, l'ensemble des items lexicaux retenus comme lemme. Nous allons voir c'est quoi un lemme. Donc, généralement, présenté en ordre alphabétique, la macrostructure peut dans certains cas avoir une organisation thématique, sémantique, etc. Ça, nous n'allons pas le voir. C'est quoi un lemme? Lemme, c'est déjà la demoiselle qui m'a posé la question. Je suis en train de répondre maintenant. Alors, est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, oui, monsieur. Un lemme, c'est déjà un nom masculin. Un lemme fait référence à un mot. Dans un dictionnaire, vous avez trouvé donc le dictionnaire de langue française, donc le Petit Robert par exemple, qui vont de A jusqu'à Z. Donc, un lemme fait référence à un mot, comme supposons que le lemme ici, donc c'est en A-N. Après, nous allons avoir, je caricature un peu, et nous allons donc trouver d'autres noms. Un lemme fait référence à un mot, d'accord? De quelque nature que ce soit, qu'il soit composé ou simple. Un mot simple comme pomme, avion. Un mot composé comme pomme de terre. Pomme de terre, c'est un légume. Il est composé certes de trois mots, mais il constitue une seule entrée du dictionnaire, une seule, c'est-à-dire qui donne lieu à une seule donc entité sémantique. C'est-à-dire, c'est une entité sémantique. Pomme de terre, c'est un légume. D'accord? Donc, un lemme peut être, comme j'ai dit, soit pomme, soit avion, soit porte, etc. Comme il peut être composé donc de plusieurs mots, des mots composés comme pomme de terre, arc-en-ciel, d'accord, ceinture de sécurité, etc. Alors, un lemme fait référence à un mot, de quelque nature que ce soit, qu'il soit composé ou simple, comme je viens de le dire, à condition qu'il puisse être référencé dans un dictionnaire. Donc, un lemme est composé d'un radical auquel peuvent s'ajouter un préfixe ou un suffixe. D'accord?
Donc, cuisine, ajouter donc cuisinier. D'accord? Oui, Le verbe monsieur. faire, on va lui ajouter un préfixe, refaire. Alors, en linguistique, différentes dénominations permettent de désigner la notion d'unité autonome, constituant du lexique d'une langue. Item lexical, lemme, lexie ou unité lexicale. D'accord? Toutes ces appellations sont des unités autonomes du lexique. C'est une chaîne de signes formant une unité sémantique et pouvant constituer une entrée du dictionnaire. D'accord? Alors, pour que cette notion de lemme soit encore soit plus claire, qu'est-ce que je veux dire encore? J'essaie un peu de glaner les informations pour vous simplifier un peu les choses, sans trop les rendre simplistes. Alors, excusez-moi encore une seconde, je suis à vous. Alors, les lemmes, pour que vous puissiez les comprendre à leur juste valeur, correspondent aux noms de mots. Ce sont des noms que nous donnons aux mots. Ce sont des noms de mots. D'accord? Lorsque l'on veut parler d'un mot, on utilise la forme correspondant au lemme, c'est-à-dire un mot de base. C'est ce qui rend étrange, par exemple, l'énoncé suivant. Donc, quand je veux dire, qu'en est-il l'origine du verbe mangeant, c'est le verbe conjugué dans la première personne donc, du pluriel, présent d'indicatif. Qu'en est-il l'origine du verbe mangeant? Alors, avec le lemme, nous préférons la phrase suivante. Qu'en est-il l'origine du verbe manger? D'accord? Est-ce que vous comprenez? Allô? Répétez, monsieur, tu peux Monsieur. répéter, s'il vous Tout plaît. ceci est écrit dans le texte. Simplement, je suis en train de vous expliquer. Ce n'est pas la peine de prendre ces notes parce qu'elles sont déjà dans votre texte. Alors, les lemmes correspondent en noms de mots. Ce sont les noms que nous donnons aux mots. D'accord? Lorsque l'on veut parler d'un mot, on utilise la forme correspondant au lemme. Par exemple, donc je vais chercher un peu je vais chercher donc l'exemple que je viens de vous donner. Est-ce que vous voyez un peu ça devant vous? Vous le voyez? Oui. Alors, s'il vous plaît, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Alors, les lemmes correspondent aux mots en nom de mots. Lorsque l'on veut parler d'un mot, on utilise la forme correspondant au lemme. Par exemple, s'il vous plaît, désactivez vos micros. Alors, c'est ce qui rend étrange l'énoncé suivant. Qu'en est-il l'origine du verbe mangeant? Alors, pour être un peu, ça de manière scientifique, nous préférerions donc cette phrase, qu'en est-il l'origine du verbe manger? C'est plus facile de parler de manger que de mangeant, d'accord? Et on ne peut pas trouver une entrée du dictionnaire avec mangeant. Est-ce que vous comprenez? Oui, Allô? monsieur. Oui, monsieur. Donc, il faut chercher plutôt dans manger, d'accord? Et donc, c'est la forme qui correspond donc au lemme de l'entrée elle-même. Donc le lemme, c'est le nom donné au mot. D'accord? Si le nom de Tous les monsieur. mots, s'appellent des lemmes. Et dans le lemme, on va trouver certaines formes à l'exclusion d'autres. On va trouver des verbes à l'infinitif et non des verbes conjugués. D'accord? Allô? D'accord, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur. C'est bon? Alors, Oui, c'est bon. je reprends. Alors, nous disions que la macrostructure, on a dit qu'elle désigne la nomenclature ordonnée d'un dictionnaire. D'accord?
c'est-à-dire elle va englober la liste des entrées dans l'ensemble des choix linguistiques. Et donc, elle regroupe l'ensemble des items lexicaux. Nous appelons items lexicaux, nous disons encore, on dit item lexical, lem, lexi, unité lexicale, lexem. C'est donc la macrostructure regroupe l'ensemble des items lexicaux retenus comme lem. Lem, c'est la forme, si vous voulez, canonique, c'est le nom donné. C'est le nom donné au mot. D'accord? Le nom donné au mot, c'est les entrées, différentes entrées que nous allons trouver. Et donc, ça s'appelle un lem. D'accord? Donc, généralement, par ordre alphabétique, on va trouver aussi d'autres ordres, des langues comme l'arabe. Donc, on va retenir, donc, non pas l'ordre alphabétique, mais on va travailler sur la dérivation, sur, etc., sur les, c'est-à-dire les radicaux. On va trouver, par exemple, le verbe. Donc, on va trouver hasaba, mais on va trouver tous les mots dérivés. Hisaboun, hasoubun, hisbatun, muhasabatun, etc. Donc, on ne va pas procéder en même ordre. Comment ? Désactivez vos micros, s'il vous plaît. À moins que vous voulez poser une question, il n'y a pas de problème. Alors, généralement présent en ordre alphabétique, comme en français. Et donc c'est donc les lemmes. Pardon, nous avons dit que nous allons que la macrostructure donc va regrouper l'ensemble des items lexicaux retenus donc comme lemmes. D'accord. Alors nous verrons que microstructure d'un article, par exemple dictionnaire, concerne une unité de traitement lexicologique. Écoutez bien. La microstructure, comme ici, ce qui est là, donc ce qui est coloré, le rectangle là, qui est coloré en bleu, ben un bleu qui vire vers le violet, d'accord, ou bien un violet foncé. Donc, la microstructure d'un article du dictionnaire concerne une unité de traitement lexicographique. Cette unité de traitement lexicographique, d'accord, c'est une unité. L'autre unité, c'est l'entrée. Elle est là, c'est le lem. Donc, la microstructure d'un dictionnaire concerne une unité de traitement lexicographique. D'accord ? Concerne donc une entrée. Donc, tout ce que nous allons dire ici, dans le rectangle donc en violet, concernera cette partie-là, donc donnera des informations sur le lem et ce qui se cache derrière le lem. Alors, il est utile de préciser que cette entrée se présente sous forme d'un lemme, ce que nous venons de dire. Une entrée, on appelle ça titre, voilà, toutes les différentes appellations. Titre, entrée, s'il vous plaît, où est-ce le prof a quitté la réunion? Je comprends pas. Oui, apparemment. Oui, apparemment, il a quitté la réunion. Il faut, si quelqu'un peut le contacter pour le lui dire. D'accord. S'il vous plaît, si vous avez ses coordonnées. Ça arrive des fois, on quitte la réunion sans m'apercevoir. Déjà, il reste ça beaucoup de temps. On doit aussi quitter la réunion s'il ne revient pas.
On va attendre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Téléphone Oui, était. monsieur. Alors, Vous avez. je vais reprendre donc l'enregistrement.